Enregistrement. Bonjour à tous, on est de retour sur Slay the Spire et on va refaire une game avec le soldat de fer en espérant y arriver. Bien sûr, on n'y arrive jamais parce qu'on est rincé. Puissez 24 de dégâts, retirez deux cartes. Recevez une relique ordinaire aléatoire. Le coût de service de retrait de carte marchand passe à 50 d'or. C'est de la merde. Du coup, on va la jouer prudent. On va la jouer prudent tout le long, hein, que je suis pas assez prudent la plupart du temps. Donc la prudence, ça serait plus à droite, je pense. Ouais, à droite, il y a de la prudence. On prendra moins de dégâts, on va en prendre quand même, mais c'est pas grave. Lit nous soigne de 6 PV. Oh. Aïe aïe aïe. Et lui il meurt. Donc, nous avons volé de coups, attaque qui coûte 1 point d'action, infligé 2 de dégâts 4 fois à l'épuisement. Nous avons armement, compétence qui coûte 1 point d'action, gagné 5 d'armure, améliorer une carte de votre main pour le reste du combat. Et vantardise, compétence qui coûte 0 point d'action, gagnez 2 de force à la fin du tour, perdez 2 de force. Nous allons partir sur l'armement, ou sinon je prends. Ouais, je vais prendre la volée parce qu'elle est rare. Pas si c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée. On rattaque sur les mauvaises idées. Hein. La beauté des mauvaises idées. Allez, tiens, prends la vulnérabilité pour que je puisse te taper. Pas mal de dégâts. On n'en prend pas, nous, de dégâts, vu qu'on a mis 10 d'armure. Et voilà. Du coup, armement, compétence qui coûte un point d'action, gagnez 5 d'armure, améliorer une carte de votre main pour le reste du combat, lame lourde, attaque qui coûte 2 points d'action, infligez 14 de dégâts, la force ajoutée à lame lourde est multipliée par 3. Coup de boule, attaque qui coûte 1 point d'action, à infliger 9 de dégâts, placez une carte de votre défausse sur le haut de la pioche. On va prendre armement, parce que c'est de la défense, il faut défendre un max. Retirez une carte de votre deck. Devant vous se trouve un hôtel élaboré, consacré à un esprit oublié.
Moins d'attaque, mais plus de défense. Continue d'avancer. Dégâts, mais tant pis. On se régène de 6 à la fin du combat. De dégâts. Alors, manchette. Ça qui coûte 2 points d'action, infliger 12 de dégâts, appliquer 2 de faiblesse. Lame infernale, compétence qui coûte 1 point d'action, ajoute. Au ce tour. Fortification, compétence qui coûte 2 points d'action, doublez votre armure. On va prendre lame infernale. Alors, 153. Là, si on inflige 21, mais je peux pas le mettre. On va mettre quand. Service à Téantique après avoir atteint un site de repos, commencez le projet. 2 points d'action. Éviter l'élite. Bon, on va jouer la sécurité. Ah. Ah. Pas chose intéressante pour eux. Ça va être compliqué. Et si je fais. Voilà, tranquille. Choix. Mauvais choix. On va prendre 10 ce coup-ci, ça va être dommage. Prendre des dégâts plus directs. Bon, tant pis.
tranquille. Milieu de journée, je commence à avoir froid partout. David a encore monté sa colère. Voilà, faut que je le tue avec 20 points. C'est énervé, il va me faire un point de plus. Mais bon, j'ai pas envie que le combat dure qu'un jour. Qu'une carte vous fait perdre des points. Alors. Même pas mal, compétence qui coûte un point d'action, gagner 8 armures, piocher une carte. Bague de fer, attaque qui coûte un point d'action, gagner 5 d'armure, infliger 5 de dégâts. Et rupture, pouvoir qui coûte un point d'action, quand une carte vous fait perdre des points de vie, gagnez 1 de force. Ouais, mais c'est mes cartes à moi ça. Moi j'ai pas de cartes qui font perdre des points de vie. On va prendre la vague de fer. On repasse par ça. Améliorer celui-là. Phoenix en air à chaque fois que vous faites des effets vus. Non, ça j'aime pas. Donc on va prendre la clé saphir. Lance. Des osselets et fragments dans le feu qui s'animent à chaque fois. Approchez les esprits, se tournent vers vous avec désespoir. De ce qu'on donne. Prenez cette carte. C'est une carte. Ah, on aura peut-être un truc intéressant. On a 80 de heal. Vous jetez une offrande dans le feu de camp, les flammes jaillissent prenant considérablement de l'ampleur, les esprits dansent autour de vous avec excitation et vous... Chaleur, vous récupérez tous vos points de vie. Et parfait. Et là, on a le choix entre élite ou élite. Donc on va passer par là. Une amélioration. Une carte aléatoire. Ah non, ça a... Ah, elle coûte 0. Parfait. C'est parfait. Une attaque qui coûte 0, ça c'est bien. Ah, le roi des voleurs, merde. Quasi mort. Ça aura été rapide. Il est mort. Alors, boomerang, épée boomerang, attaque qui coûte un point d'action. Infliger 3 de dégâts à un ennemi aléatoire 3 fois. Scission d'âme, attaque qui coûte 2 points d'action. Épuisez toutes les cartes de votre main sauf attaque. Infligez 16 de dégâts. Ça peut être intéressant. Et métallisation, pouvoir qui coûte 1 point d'action. À la fin du tour, gagnez 3 d'armure. Et on va mettre métallisation.
le défenseur des lois de notre pays, le taré psychopathe qui nous emmerde. Alors, on va faire ça. Ah non, j'aurais peut-être dû faire ça en premier, tant pis. Ça me servira pour plus tard. Bon. Allez mon chat, je viens de taper, ça me fait plaisir. On s'en sauve. Frappe du pommeau, attaque qui coûte un point d'action, infliger 9 de dégâts, piocher une carte. Souffle de feu, pouvoir qui coûte un point d'action, à la fin du tour, infliger 1 de dégâts à tous les ennemis par carte attaque jouée ce tour. Et lame infernale, compétence qui coûte un point d'action, ajoutez une carte. Attaque aléatoire à votre main, elle coûte 0 ce tour. Feu de feu, c'est très bien. Ah! Délire tout ça. Merde, j'aurais pu en tuer un. J'en aurais tué un, ça aurait fait 4 de moins. Prendre des dégâts encore. J'ai fait l'attaque, on verra bien. Ah non, j'ai pas fait assez. Bon, je vais prendre 10. Mauvais calcul de ma part. J'ai encore fait n'importe quoi. Merci, au revoir. Arrête de prendre des dégâts à chaque combat. Alors, frappe parfaite, attaque qui coûte 2 points d'action, infliger
6 de dégâts, infliger 2 de dégâts supplémentaires par carte de frappe. Pouvoir mastodonte coûte 2 points d'action. Quand vous gagnez de l'armure, infligez 5 de dégâts à un ennemi aléatoire. Et lame infernale, compétence qui coûte 1 point d'action. Ajoutez une carte aléatoire à votre main. Elle coûte 0 ce tour. Épuisement, donc on va prendre mastodonte. Privilégier la défense. Une amélioration s'impose. 7 de dégâts, c'est mieux. Mais c'est pas ça que je veux. Utilisation. Ah, ça coûte 0. Pas 0, c'est bon. Voir la boule de glace, ça ferait un bon combo. Là, je vais prendre la max. Fin du tour. Là, on va prendre la max. C'est un peu chiant, faut pas que je meure sur ce boss là. 10 de dégâts. On va impérativement mettre ça. C'est un dégât classique, et voilà. On joue l'attaque ou la défense. À chaque fois, on met les dégâts en plus. Dégâts à la fin de tour, à chaque fois, c'est pas mal. Là, il nous fait pas trop mal. On est bien, on est bien. De la vulnérabilité, bon, des dégâts, c'est pas mais grave.
La défense à fond. Bon, un peu moins, mais je crois que je suis mort. Pas mort. Quasiment. On a gagné, heureusement. C'était tendu. Hein. C'était tendu, on a failli pas gagner, mais bon. Tac. Alors. Feu démoniaque coûte 2 points d'action, c'est une attaque. Épuisez votre main, infligez 7 de dégâts par carte épuisée. Mais non, t'as de la pioche. Invincible. Compétence qui coûte 2 points d'action. Gagner 30 d'armure. Épuisement. Et enfin, faucheuse. Attaque qui coûte 2 points d'action. Infliger 4 de dégâts à tous les ennemis. Soigner du total des dégâts non bloqués. Ça peut être très bien parce que c'est une AOE et ça soigne. On va prendre la faucheuse. Dans la misère, ça soigne. Alors, nous avons... Remplace sans ardent à la fin du combat et récupérer 10 de PV, ça c'est très bien. Gagner 1 point d'action au début de chaque tour, vous ne pouvez plus voir les intentions des ennemis. Et nous avons gagné 1 point d'action au début de chaque tour, tous les ennemis commencent avec un de force. Et on va prendre le sang noir. Pour une meilleure régène. Des points d'action en plus, c'est cool, mais la plupart du temps... J'imagine qu'il me manque. Donc, quel endroit est le plus moins dangereux? Dangereux pour le coup, c'est à gauche. Ouais. Gauche. Là, on peut éviter. Là, on peut éviter. Et là, on peut choisir de pas éviter. D'accord. On va passer par là. D'accord, alors déjà on va faire ça. Mastodonte. On va faire ça. On va prendre des dégâts directs, mais bon, tant pis. Mieux. M'arraver la gueule, mon enfant. C'est pour mieux te m'arraver la gueule, mon enfant. Alors, on fait ça. Un moment. Voilà. Niveau des dégâts tranquille, hein, on a un deck qui se complète bien là, c'est pas trop mal pour une fois. Pour une fois, c'est pas trop mal. Ah, mais c'est hors armure donc on peut pas le faire. Gave
de dégâts, grave de dégâts. Ça fait moins plaisir par contre. De pisoter, on récupère 10. Alors, enflammer plus, pouvoir coûter un point d'action, gagner 3 de force. Hémokinésie, attaque qui coûte un point d'action, perdez 3 points de vie, infliger 14 de dégâts. Autant dire que j'aime pas bien ces trucs là. Et coup de boule, attaque qui coûte un point d'action, infliger 9 de dégâts, placez une carte de votre défausse sur le haut de la pioche. Enflammer. Et on est parti. Ah, les trois pièces des enfers. Alors, on a du mastodonte et on a de quoi se rejoindre. Ah merde. Et lui, il est en full attaque par contre. Moins drôle. Un petit mastodonte, j'aimerais bien prendre un petit. On va juste faire ça. On va prendre la très chère. L'autre il veut nous mettre. Et là, tu commences à nous mettre de la force quand même. On va encore prendre cher. Putain. Ouais, là il faut des AOE et j'ai pas d'AOE. Et merde, on peut le tuer. Là, je prends trop cher. Là. Bon, 24, ça fait pas la... pas du bien ça. Alors, c'est ni compétence qui coûte un point d'action, gagnez un point d'action et perdez 3 de PV. Coup de tonnerre, attaque qui coûte un point d'action, infligez 4 de dégâts et 1 de vulnérabilité à tous les ennemis.
Souffle de feu, pouvoir qui coûte un point d'action. À la fin du tour, infliger un de dégâts à tous les ennemis par carte attaque jouée. On va prendre le souffle de feu encore une fois. Retirez une carte de votre deck. 75 or. Un vieux mandat enveloppé dans une cape en fourrure tend la main vers vous lorsque vous passez près de lui. Auriez-vous une petite pièce, mon enfant? Le mendiant retire sa cape, révélant qu'il n'est autre que clerc. Que, ah, vous avez une impure, recevez ma purification, s'écrie-t-il. Vous ne savez pas trop s'il est reconnaissant ou en colère. Alors, comme toujours, on enlève les frappes classiques. Un peu mieux, mais bon, je sais pas si ça changera grand-chose. Traversant les grands bâtiments, vous découvrez un pont long et étroit. Repérez les chevaliers qui se font face de part et d'autre. Vous approchez. Halte! L'un d'eux vous fait signe de vous arrêter avec sa lance gigantesque. Le jour est venu de faire payer le meurtrier de mon animal adoré, Médor. Tant que justice ne sera pas faite, vous ne pourrez pas passer. Vous qui êtes témoin de la scène, pourquoi ne pas parier sur le chevalier qui emportera ce combat? Pariez 50 d'or. 70% à gagner 100 d'or. Oh, on va mettre ça. Ça, vous ne pariez pas sur Médor. Furieux, il abaisse son homme et fonce sur son ennemi juré. L'ennemi juré n'est plus. Vous avez perdu le pari, mais vous. Mais sortez dans cette histoire indemne. Ouais. Du coup, on n'a plus de sous pour acheter ce qu'il nous faudrait, mais on sait pas. Combustion, c'est pas top. Cri de guerre, ravage. Colère, on kiffe la colère. On va prendre la colère. Et on va prendre une autre vague de fer qui peut être bien aussi. La métamorphose, je pouvais pas le prendre de toute façon. On va prendre la vague de fer aussi. Voilà, on continue. Là pour le coup je vais me reposer, c'est chose qui arrive rarement. . 48. Est-ce que je continue d'éviter les... Allez, on va se le tenter. De toute façon, il y a un truc pour se recharger derrière. Ouh, c'est le pire, lui. Alors, enflammé. Souffle de feu. Bague. Réalisation. Claquer. Okay. 16 d'un coup, ça fait mal. Ok. Dans la merde, hein. Je vais encore prendre masse de dégâts. J'aurais pas dû prendre. Oh, je suis vraiment dans la merde. Ça me fait chier, ça.
Obligé de faire ça alors que ça me débecte pouvoir survivre plus longtemps, c'est con ça. Oh non, je suis mort. Putain, mais ça m'énerve. Pas un mauvais deck pourtant. Trouve le moyen de me tuer comme un gros con. Le seum. Allez, on est reparti. On a joué la bonne humeur. Putain, j'avais pas un mauvais deck. Voilà, je joue la sécurité à donf, hein, parce que là, à chaque fois, je me fais récupérer Sandor. Malheureux ça quand même. J'étais. Épée boomerang, attaque qui coûte un point d'action, infliger trop de dégâts à un ennemi aléatoire 3 fois. Cri de guerre, compétence qui coûte pas de points d'action, piocher une carte, placer une carte de votre main sur le haut de la pioche, épuisement. Même pas mal, compétence qui coûte un point d'action, gagner 8 d'armure et piocher une carte. Mal. Ah, mais c'est pas possible ça. Un point de vie par un point de vie, j'ai jamais réussi à le tuer, ça continue. Lui, il va me faire mal encore. Alors, désarmement, compétence qui coûte un point d'action, l'ennemi perd 2 de force, épuisement. Et boomerang, attaque qui coûte un point d'action, infliger 3 de dégâts à un ennemi, aléatoire, 3 fois.
Gagner compétence qui coûte pas de points d'action. Gagner un point d'action, perdez 3 points de vie. Ça, même si je. Pas le genre de carte que j'apprécie, mais bon, tant pis. De points de vie, mais on sera là. Combat. Ah. Alors, second souffle, compétence, épuisez toutes les cartes de votre main sauf attaque, gagnez 5 d'armure par carte épuisée. Ouais. Scission d'âme, attaque qui coûte 2 points d'action, épuisez toutes les cartes de votre main sauf attaque, infligez 16 de dégâts. Et enfin, rupture, pouvoir qui coûte 1 point d'action, quand une carte vous fait perdre des PV, gagnez 1 de force. On va prendre ça parce que ça va bien avec le deck que je suis en train de prendre. Une carte de mon deck, ça me coûte trop, donc on va faire partir. Voilà. Ah! Tout, tout. On va faire ça à chaque fois. Hein. On va durer qu'un jour. Mais...
Alors, même pas mal, compétence qui coûte un point d'action, gagner 8 armures, piocher une carte. Second souffle, compétence qui coûte un point d'action, épuiser toutes les cartes autres. Sauf attaque, gagner 5 d'armure par carte épuisée. Le problème c'est que là c'est pas top. Vantardise, compétence qui coûte pas de point d'action, gagner 2 de force à la fin du tour. On reprend même pas mal. Va vers le feu, on prend ça par là. Vous découvrez aventurier mort, gisant au sol, quelqu'un a volé son pantalon. De plus, il semble avoir été entaillé et piétiné par une bête à cornes. N'êtes pas d'humeur à enquêter sur ce qui s'est passé. Le butin. Vous avez trouvé de l'or, continuez à fouiller. Trouvez le butin. Tandis que vous fouillez le cadavre de l'aventurier, vous baissez votre garde. Alors, l'autre tête d'ail. Particulièrement chiant non plus. Et tac. Bonjour. Oh. Et rupture. Attaque. Et attaque. Je suis quasiment mort, comme d'hab. Oh ben, me détruit à chaque fois. 39. Oh, mais là, je suis pas dans la merde déjà. Le coursier, super. On s'en fout. Vague de fer, attaque qui coûte un point d'action, gagner 5 d'armure, infliger 5 de dégâts. Frappe parfaite, attaque qui coûte 2 points d'action, infliger 2 de dégâts, infliger 2 de dégâts supplémentaires par carte frappe. Enflammé, gagner 2 de force. En enflammé. Et 324, on va aller voir ce qu'il y a au marchand. Un 5 préservé, les ennemis des combats élites. 25 100 PV en moins. Je sais pas lorsque vous l'obtenez. Ça. Là. Offrande, perd des 6 points de vie, gagner pioche 3 cartes. Non, merci. Ah, il y avait le truc trop bien.
Paix enflammée, lorsque vous le ramassez, choisissez une carte attaque. Commencez chaque combat avec cette carte dans votre main. Vous n'avez plus de carte en main, piochez une carte. C'est bien. La toupie perpétuelle. Je vais crever. Ce coup-ci, qu'est-ce qu'on améliore? Continuer. Alors. Malheureusement, tant pis. Alors, yeux rouges, compétences qui coûtent un point d'action, gagner 2 points de points d'action pour avec épuisement. Allez, épuisement, colère, attaque qui coûte 0 point d'action. Infliger 6 de dégâts, ajouter une copie de cette carte à votre défausse. Conflit, attaque qui coûte 0 points d'action, jouable si vous n'avez que des attaques en main, infliger 14 de dégâts. Voire rouge, c'est très bien. On voilà. 3 points de vie. Faire 18 chacun, non, il y en a qu'un qui fait 18.
Et merde. Merde, dommage. Aïe, je suis dans la merde. Ça c'est la misère. Je suis crevé là. Crevé. Putain, j'en ai marre. Mais qu'est-ce que je joue mal, c'est impressionnant, hein. Et voilà, j'ai absolument tout choqué et j'ai joué super mal. Parfait. Très bien, bon ben 17h28, je vais arrêter un peu plus tôt que prévu parce que. Eh ben arrêtez. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous offre un sourire.